deux semaines que votre copine n'a pas fait de soins. Vous allez vous demander sans doute qu'est-ce qui ne va pas, mais tout va très bien, tout va très bien. Seulement que ces temps-ci, je suis un peu occupée, c'est pourquoi. Regardez, non, regardez ma tête, regardez ma tête. Genre, vous savez ce qu'on appelle cheveux secs? Non, c'est ça ici. Mes cheveux sont tellement secs, à tel point que, regardez, mes doigts n'arrivent plus à toucher le cuir chevelu parce que tout est mélangé en bas. Non, girl, cette fois-ci. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de faire mes soins. Un soin un peu différent, ok? Un soin protéiné, un peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc, quand je vais faire mon bain d'huile, je vais faire mon masque, je vais hydrater, je vais essayer l'hydratation avec vous. Vous êtes prêts? On y va! Alors, je vais utiliser comme d'habitude l'huile spéciale bain d'huile de Brown Hair. Donc, je vais essayer de mettre une quantité dans ma bouteille applicateur en même temps. Ensuite, je vais utiliser mon spray hydratant. Vous voyez, la fois passée, c'était rempli. Hein, mais cette fois-ci, c'est juste ici. C'est parce que j'adore cette lotion, ce spray hydratant. Je l'adore trop. Tous les jours, je l'utilise. Voilà. Donc, je vais utiliser ça aussi. Je vais diviser mes cheveux. Vous connaissez déjà la chanson? Toujours travailler sur les cheveux en section. C'est très, très important. Surtout en ce moment où mes cheveux sont trop secs, pas possible. Ne pas travailler en section, ce serait une très, très grande erreur que je vais faire. Maintenant, je vais prendre mon spray hydratant. Je vais sprayer ça sur mes cheveux. Et cette expérience, je l'ai fait, ça a très bien marché. Genre, mes cheveux ont tellement adoré. Et j'ai décidé de partager ça avec vous. Genre, utiliser ce spray avant de réaliser le bain d'huile sur les cheveux, c'est une technique qui marche trop trop bien. Vous voyez, je fais un petit démêlage avec mon doigt comme ça. Vous voyez déjà la différence, non? Maintenant, je peux utiliser, non, je peux faire mon bain d'huile. Alors, voilà, c'est bon, mais non. Tadam, c'est prêt. Maintenant, je vais couvrir ma tête. Vous reconnaissez ce plastique? On n'échange pas l'équipe qui gagne. Et mon fameux bonnet. Alors j'ai quelques petits trucs à faire ce matin, donc le temps de faire tout ça, je pose mon bain d'huile et puis après on se voit pour le shampoing. À tout à l'heure. Alors nous revoilà après 2 heures ou 3 heures, je pense, hein, 3 heures de temps de pause. Regardez mes cheveux, waouh. Waouh, quand je fais un bain d'huile simple avec de l'huile, vous voyez pas la différence. Il y a une nette différence. Voilà, c'est parce que j'avais utilisé le spray. Le petit spray, ça change la donne, quoi. Voilà. Regardez-moi ça. J'ai envie de laisser mes cheveux comme ça, sans laver. Dites-moi dans les commentaires, vous voyez la différence entre le fait d'utiliser le spray avant de réaliser son bain d'huile et utiliser de l'huile simple pour réaliser son bain d'huile. Mettez-moi dans les commentaires si vous voyez la différence. On va passer au shampoing, donc je vais diviser mes cheveux en 4 parties, ok? Mon shampoing, le shampoing de Brown Hair qui est presque terminé aussi. Voilà, c'est comme ça que je vais laver mes cheveux. Je viens de rincer ces cheveux. Regardez-moi la souplesse. Non, j'adore. Voilà, mes cheveux sont tout propres. Maintenant, je vais passer à l'étape du masque. Je vais utiliser ici 2 produits. Comme je vous l'avais dit, je vais faire un soin protéiné. Et le soin protéiné que j'utilise, c'est la lotion de riz de Brown Hair.
Voilà, ça c'est la lotion de riz de Bradhead. Sachez que la lotion de riz est une protéine qui pénètre facilement les cheveux. Et ensuite ça, vous le connaissez déjà, c'est la poudre de Bradhead et qui sert de masque et de démêlant en même temps. Donc ici, j'ai déjà préparé le masque que voici. Vous voyez, il suffit de prendre une quantité par rapport au volume de vos cheveux et puis vous rajoutez de l'eau et puis ça forme une pâte comme ceci. Alors sur ces cheveux, je vais sprayer la lotion de riz. Vous voyez, très très facile. Vous voyez, voilà. Et maintenant, je vais appliquer ma poudre dessus. Et je vais passer au démêlage. C'est bon, c'est parfait. Alors je vais répéter le geste sur toute ma tête. Oh là là, regardez mes cheveux. Ouh, bien démêlé et tout. Je vais essayer de tout rassembler en gros. Et puis mettre mon plastique. À tout à l'heure. Oh là là, mes chéris. Arrivé à cette partie de la vidéo, mon appareil a bugué. Donc du coup, j'ai perdu cette partie de la vidéo où je devais rincer le masque, hydrater, c'est l'hydratation. J'ai juste récupéré une partie pour la fin. Ok, ne vous fâchez pas. Excusez-moi beaucoup, beaucoup. Mais néanmoins, je vais vous faire un petit résumé. Je n'ai pas fait grand-chose d'ailleurs. Comme vous le voyez tout à l'heure, je viens de finir mon masque. J'ai laissé poser 2 heures, 2 heures et demie. Après, je suis rentrée sous la douche, j'ai rincé le masque avec de l'eau simple, ok? Et je suis sortie, je suis passée à l'hydratation et au sélat d'hydratation. Et j'ai utilisé la crème hydratante de Bradhead que voici. Voilà, la crème hydratante de Bradhead pour hydrater et le beurre spécial scellage pour sceller l'hydratation. Donc vous allez remarquer que la partie qui me reste, je suis en train de réaliser mes twists. Donc pour réaliser mes twists, c'est très simple. J'applique premièrement la crème sur mes cheveux. Bien, j'hydrate très bien. Et ensuite, je prends une noisette de du beurre spécial scellage pour sceller l'hydratation. Et ensuite, je fais mon twist. Donc je vais vous laisser voir le résultat final de mes twists. Alors je viens de terminer ma coiffure, regardez ce que j'ai fait, mes cheveux ont repris vie, mes cheveux sont très bien nourris et je suis toute contente. Alors mes chéris, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et commenter. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, si ma coiffure est jolie et tout, dites-moi dans les commentaires si c'est. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo, soyez bénis, ciao.